Frères et sœurs, j'aimerais vous annoncer. Dieu va vous changer de parcours. Dieu va vous changer de direction. Vous serez en train de courir avec les hommes. Mais vous gagnerez la course de chez vous. Parce que quand Dieu vous change de direction, il vous donne les compétences appropriées pour atteindre l'objectif. Vous serez en train de partir à pied. Vous vous retrouverez en train d'atterrir en avion. Parce que quand Dieu vous change des conditions, aucun homme ne peut vous empêcher de vivre cela. Je vous annonce un chiffre, un changement soudain où Dieu vous sort du domaine pour lequel vous avez des diplômes et vous amène dans le domaine pour lequel vous n'avez aucune compétence, mais c'est là-bas qu'il vous établit. Je vous parle d'un shift, de quelque chose qui n'était pas dans le programme, quelque chose que les parents n'ont pas prévu que ça serait la suite de ta vie, quelque chose qui n'est pas logique. Après cette page-là, ce n'est pas ça qui devait arriver. Mais je vous annonce que Dieu va changer cela brusquement. Il va compter 1, 2, 3, 14, 29, 245. Il va sauter des chiffres. Parce que c'est comme ça que Dieu chiffre des choses. Aide-moi à dire au voisin, shift. Est-ce que tu as trouvé le bon voisin? Dis-lui encore, shift. Vérifie si ton voisin connaît la danse d'Abraham et dis-lui, shift. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que je ne suis pas en train de vous prêcher seulement, je suis en train de vous annoncer les choses qui vont arriver parce que Dieu va shifter. N'ayez pas peur, vous n'allez pas le faire. Lui va le faire sur vous, il va le faire dans votre famille, il va le faire dans votre métier. Écoutez-moi, quand vous êtes shifté, même votre démarche shift, on sent que la personne marche avec plus de confiance et il a changé. Il est temps d'accepter. Quand les amis te disent, hé, depuis que tu es devenu, tu as changé. Oui, justement, j'ai changé. Parce que quelque chose a shifté. Ça, ce sont nos communautés africaines qui essaient de placer des culpabilités inutiles dans leurs frères. Oh, toi aussi, depuis que tu es devenu chef, tu as changé. Que je te donne de devenir chef à ma place pendant 2 minutes si tu ne vas pas changer. Là, quand on devient chef, on nous apprend. Le chef ne marche pas, le goût. Il marche relevé. Je commence à marcher relevé. Toi, tu es mal à l'aise. Oh, mon cher. Mais toi, tu marchais comme ça. Moi, je marchais comme ça. Mais les shifts marchent comme ça. J'ai shifté, mon frère. J'ai shifté. Vraiment, depuis que tu es devenu chef, on voit comment tu t'habilles maintenant. Mon frère, quand je m'habillais, on allait au quartier. Là, quand je m'habille, je vais recevoir des autorités à l'aéroport. C'est pas mon habit. C'est un habit de travail. C'est juste pour le boulot. Depuis que tu es tout le temps comme ça. Oui, mon frère, j'ai shifté. Je ne dors pas avec ça. Mais quand je me réveille, plus comme ton ami seulement. Je me réveille en qualité de quelqu'un qui a shifté. Je ne peux pas shifter et laisser ma garde-robe comme elle était. Je ne peux pas shifter et laisser ma voiture telle qu'elle était. Je ne peux pas shifter et laisser ma coiffure telle que j'étais. J'aimerais vous dire que quand vous allez shifter, vous allez tout faire shifter complètement. Oh, même tes enfants, regarde comment ils s'habillent. Oui. Avant, c'était seulement mes enfants. Maintenant, ils sont devenus les enfants de l'honorable monsieur le... Laisse mes enfants shifter avec moi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez shifter avec tout ce que vous avez. Et même la décoration dans ta maison sans changer. Oh oui.
N'ayez pas peur d'être différent. Nous sommes dans une société qui a tendance à punir ceux qui sont différents. Les jours où ils t'ont compris que tu es comme ça, ils te mettent dans une boîte, ils veulent que tu restes comme ça. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La démonstration de Dieu dans la vie d'un homme, c'est le fait de l'avoir pris Abraham et d'avoir fait de lui Abraham. Il est le seul Dieu qui prend plaisir à se présenter, non pas par un nom propre, mais par l'empreinte d'un homme qu'il a utilisé pour transformer. Comment tu t'appelles? Il dit pas, je m'appelle un tel. Il dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire, si tu veux me comprendre, tu dois connaître Abraham. Quand on veut tirer l'attention sur lui, il attire l'attention sur nous. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, bon, moi, je suis le Dieu d'Abraham. C'est qui Abraham? D'abord, va chercher. C'est l'hébreu là qui a commencé. Qui est devenu plus riche qu'un pays au point qu'on l'a demandé de sortir du pays. Ouais. C'est pas le gars qui a attendu jusqu'à 100 ans avant d'avoir son premier enfant. Ouais. C'est pas le gars à qui tu as fait compter les étoiles. Ouais. Ce n'est pas à lui que tu as donné la promesse du qu'un jour naîtrait. Ouais. Tu as vu comment j'ai commencé avec lui? Il était rien. Voilà ce qu'il est devenu. Si tu veux savoir qui je suis dans les chiffres que je fais faire aux gens. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour vous. On dira que l'Éternel est votre Dieu. Il ne va pas citer Abraham. Non, on risquera de dire Abraham est loin. Il est le Dieu des gens qui sont ici à Bujumbura, ici seulement. Dans ta famille, on va commencer à dire l'Éternel ton Dieu à toi. Mais voilà la chose qui arrive en premier. Chaque changement cause un repositionnement. Every shifting causes a repositioning. Chaque fois que Dieu veut vous bouger, vous changer de lieu, il se fait un repositionnement. Très important. En anglais, j'écris ceci. As you move, someone is removed. Quand comme tu bouges, quelqu'un d'autre est enlevé. Il n'existe rien de nouveau sur la terre. Le lieu que Dieu te promet a déjà des habitants dedans qui ont déjà les noms du lieu. Let me go back to that. Quand Dieu te dit, je te donnerai une terre promise, il dit où habitent les Yébousiens, les Étiens, les Phérenziens. Ce sont déjà les habitants de l'endroit. Dieu, donne-moi un endroit vide. Dieu ne donne jamais un endroit vide. Quand Dieu te promet quelque chose, c'est que quelqu'un doit partir. Vous devez commencer à être à l'aise avec. Les jours où Dieu dit qu'il va vous élever, c'est-à-dire quelqu'un d'autre va perdre sa position. Les jours où Dieu vous dit qu'on va vous parler beaucoup de vous, c'est-à-dire qu'on va cesser de parler de quelqu'un d'autre. C'est important de s'en souvenir. Parce que là où tu arriveras, quelqu'un d'autre a déjà été. Alors tu ne dois pas t'enorgueillir. Parce que toi aussi tu seras repositionné. Chaque fois que Dieu veut te changer d'endroit, c'est qu'il veut repositionner. Quelqu'un m'entend très bien. La vie c'est comme un match. La vie c'est comme un match. Chaque fois qu'on veut faire entrer un joueur, ça va causer deux choses. On doit en sortir un et on doit revoir le jeu. Quand Dieu veut shifter ta vie, l'histoire commence comme ça. L'Éternel
Dites à Samuel. Uhoraho abwira Samuel. Arrête de prier pour Saül. Reka gusengera Sauli. Je l'ai déjà rejeté. Uwo naramaze kumuheba. C'est comme ça que commence l'introduction de David. Nuko rero intangamara ya Dawidi yatanguye. Dieu annonce d'abord. Imana itangura kumenyesha. Samuel. Samuel, te dérange plus, cette affaire est partie. J'aimerais tellement vous le dire, mes frères. C'est pourquoi vous n'avez aucune raison de vous enorgueillir. Ce que vous devenez, quelqu'un l'a été. Là où vous allez, des gens étaient là avant vous. Oh, vous n'allez pas être le premier riche du monde. Oh, vous n'allez pas être le plus élevé, le premier sur la terre. Chaque fois qu'il y a un shift, il y a un repositionnement. Quelqu'un quitte là. C'est mieux que quelqu'un quitte là-bas pour monter plus haut. C'est mieux que quelqu'un quitte là-bas pour peut-être aller ailleurs. C'est mal quand quelqu'un quitte là-bas pour blesser. C'est là qu'il devient jaloux. Et c'est là qu'il se met à te combattre. Mais tu dois savoir, quand Dieu te fait bouger, il bouge les autres. J'avais écrit une autre phrase en anglais. As you are projected, someone else is rejected. Another one ejected. Quand Dieu te projette, il rejette quelqu'un d'autre. Quand Dieu te projette, il éjecte quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, sous le soleil. Ça n'existe pas. Ce que l'on croit être nouveau a déjà existé il y a longtemps. C'est Ecclésiaste qui dit ça. Même quand toi tu penses être vraiment, c'est toi le chic, le nouveau. Une version de ce que tu vis a déjà été vécue. Sans quoi, même la Bible n'aurait pas de sens. Parce que ces choses leur sont arrivées afin de servir d'exemple. Alors j'aimerais que tu prennes conscience. Au moment où Dieu va te bouger, il a bougé quelqu'un pour te placer à cette place. Alors pose-toi la question. C'est lui qui part. Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il est allé ailleurs? Ou il baisse? Parce que si tu ne tires pas de la leçon, des leçons des personnes qui sont parties à ta place, tu ne dureras pas à cette place. Je répète, si tu ne tires pas de leçons sur les gens que tu remplaces, on te remplacera vite. On commence à dire de toi, ah, lui c'est l'étoile montante. Où sont parties les autres étoiles? Parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Si Dieu te promet une chaise, quelqu'un doit s'élever. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? On ne peut pas avoir deux rois. Si l'onction est sur moi, l'esprit est parti de quelqu'un. Que Dieu te bénisse en te donnant quelqu'un qui part pour devenir meilleur que toi. Mais si tu as quelqu'un qui part parce qu'il a échoué, il te combattra fort. Tu souffriras grave. Il sera tout le temps en train de te comparer. Toujours à la recherche de tes erreurs. Tout le jour tu pries. Seigneur, élève-moi au travail. Je déclare cette promotion. Ta promotion est une démission de quelqu'un d'autre. Ton élévation est une révocation de quelqu'un d'autre. Ton placement est un déplacement de quelqu'un d'autre. Alors il faut être conscient.
Quand tu as jeûné en train de dire Père, élève-moi, ouvre ton cœur en disant Père, élève-le aussi. C'était ça la différence avec David. David ne voulait pas que Saül meure. Le jour où Saül est mort, il dit, oh, comment les héros sont-ils tombés? Même quand il avait l'opportunité de faire du mal à Saül, il dit, et je ne peux pas toucher au roi de l'Éternel. Il dit, mon cœur tremblait. Il a coupé juste le pan de sa robe. Il savait qu'il a l'onction. Il savait que c'est lui le nouveau roi. Et il avait l'opportunité de faire du mal à l'ancien roi. Finissons-en maintenant. Et comme ça, moi, je le remplace. J'aimerais parler à tous ceux qui ont la promesse de la grandeur. Tu n'as pas besoin de faire tomber quelqu'un pour que tu deviennes grand. Tu n'as pas besoin d'éliminer quelqu'un pour le remplacer. Ton élévation causera les choses d'elle-même. Dieu le fera lui-même. Moi, je suis venu dans cette église. Le pasteur m'avait dit que moi, je servirai. Je serai responsable d'eux. Mais le responsable, là, il ne fait rien d'ailleurs. Hein? Tu commences à soulever tout le monde. Non, il faut qu'on dise au pasteur, le chef de la chorale n'est pas bien. Parce qu'au fond, tu sais que c'est toi qu'on doit prendre. Tu passes du temps. Ce que tu obtiens de cette manière, tu le perdras aussi de cette manière. Le jour où le fils de David a voulu convoiter la royauté, Absalom était en train de venir pour se battre contre David. David a dit, je ne veux pas résister. Peut-être que l'Éternel est avec lui. Il a pris ses clics et ses claques et il est parti. Jusqu'à ce que l'Éternel encore l'a ramené dans la maison là où il était. Mon frère, ce que tu n'obtiens pas de force, personne ne peut te le prendre de force. Mais celui qui tuera par le paix périra aussi par le paix. Lorsque les shifts arrivent, quelqu'un d'autre bouge pour que tu aies la place. Ne le fais pas arriver de force. Ne bouscule personne. Ton étoile est suffisamment élevée pour que les mages de l'Orient voient que quelque chose est né. Si là où tu es, on ne le voit pas, trois mages viendront de l'Orient en amenant les parfums. Si les pasteurs ne voient pas ça, Dieu enverra des prophètes, des apôtres. Ils te feront lever, diront, pasteur, tu vois ce frère. Il a une grâce de Dieu forte. Et les pasteurs commenceront à te regarder de près. On donne beaucoup de messages à ce gars. Qu'est-ce qu'il a? Parce que si ton étoile brille, même les mages qui n'ont pas de télescope, qui ne sont jamais montés en hauteur, ils peuvent remarquer qu'au milieu de ces étoiles, il y a une étoile particulière. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ici à Bujumbura, lorsqu'on lèvera les yeux, on verra que tu n'es pas une étoile comme toutes les autres étoiles. Ce n'est pas comme s'il n'y avait qu'une étoile. Il y avait beaucoup d'autres étoiles. Mais les mages ont reconnu cette étoile-là. Cette étoile-là, oh, elle n'est pas d'ici. Elle n'est pas d'à côté. C'est une étoile qui est là-bas chez les Juifs. Mais c'est une étoile qui est pour le monde entier. Ce n'est pas que pour nous. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ici même au Burundi, ici même, on viendra de loin pour pouvoir saluer l'étoile des Krapos. Oh, je ne sais pas. On viendra de loin pour venir saluer l'étoile des Krapos. Deuxièmement,